Salut à tous, mes chers abonnés, épisode 3. Là, cette fois-ci, je tenais à remercier deux personnes qui m'ont fait voyager via ma liste de cadeaux Amazon dans les années 68-74. On va commencer avec le cadeau de Julien Cornu. Voilà. Et là, c'est du lourd. Cheap Thrills, des Big Brother and the Holding Company, et bien sûr avec Janis Joplin au chant. Un live de Janis Joplin, ça c'est pas mal. 68 avec sûrement l'une des pochettes les plus connues de cette période. Miam. Je peux vous dire que je m'en suis servi comme de rime de marche, c'était quand même agréable sous la flotte. Et j'ai pas encore regardé de livret, mais il est sympa. Donc merci Julien pour le Chips Swiss, ça fait beaucoup plaisir. Deuxième, alors là par contre, Michael. Donc je vous laisse lire le message. Voilà. Il est payé par quatre chemins. On va commencer avec un album de 1973. Si je vous dis Phil Collins, Peter Gabriel, vous me direz Genesis. Et si je vous dis 73, Falling England by the Pound. Un de mes albums préférés de Genesis que j'ai en vinyle, donc maintenant je l'ai en CD. C'est plus pratique pour l'écouter. Avec Ice of Plenty, Dancing with the Moonlight Night, The Cinema Show, Ice of Plenty, Firth of Fris. Bref, c'est un petit bijou. Et le deuxième, si je vous dis Robert Fripp, ça vous dit rien. Si je vous dis In the Court of the Crimson King, eh oui, c'est King Crimson, avec leur deuxième live, Starless and Bible Black. Édition 30e anniversaire, je ne sais pas la différence avec l'édition 40e anniversaire. Sorti l'année de ma naissance, c'est un live, donc pourquoi pas. Et ça me permet comme ça de compléter ma collection de Crimson, qui se résume pour le moment, enfin qui se résumait, à l'album In the Court of the Crimson King et à Red. Non, maintenant j'en ai trois. Donc merci Michael, ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne pensais pas quand même en recevoir deux d'un coup, donc ça me fait 5 retours. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant de retours en l'espace d'une semaine. Je verrai bien si ça continuera. En tout cas, je tiens à remercier Michael et Julien pour leur cadeau. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !